Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette journée de colloque intitulée « Poète de la voirie parisienne ». Bon, il s'agit donc du colloque qui conclut ou qui prolonge ou qui fait rebondir le cours que j'ai fait cette année, qui était intitulé « Les chiffonniers littéraires, Baudelaire et les autres ». J'ai donné un autre titre pour le colloque, mais au fond, dans mon esprit, les deux expressions sont quasi synonymes. Poète de la vie littéraire, c'est de la voirie littéraire, pardon. Une sorte de périphrase pour désigner ce mythe du chiffonnier à travers le XIXe siècle, au moment de la Grande Époque. Je vous rappelle que dans ce cours, j'ai essayé de concentrer l'analyse sur une période précise, en gros des années 1820 aux années 1870, avec le sentiment qu'on avait là affaire au moment du chiffonnier, c'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas la même chose, et après, ce ne sera plus non plus la même chose. Et pourquoi ce grand moment du chiffonnier des années 1820 aux années 1870? Et je pense qu'il faut se rappeler des conditions économiques et sociales qui déterminent ce moment, c'est-à-dire après la première révolution industrielle, le développement de l'éducation et de la lecture, et donc des presses en continu qui fonctionnent très vite, et en revanche un retard de la chimie qui sera seulement l'objet de la seconde révolution industrielle. Et donc il y a un moment où il y a une pénurie de papier, de pâte à papier, qui est produit exclusivement à partir du chiffon. Et au fond, les années 1820, c'est le moment où cette pénurie de papier est marquée, devient remarquable après quelques années de restauration. Et les années 1870, eh bien, c'est la pâte à papier à partir de la cellulose du bois qui a pris le relais. De même que pour tous les autres produits qui faisaient la richesse du chiffonnier, le phosphore, des eaux pour produire les allumettes, on n'a plus besoin de lui, les engrais qui sont développés par la chimie à partir des phosphates. Donc tout ce que le chiffonnier récoltait et là où il pouvait faire fortune n'est plus nécessaire. Et je rappelle aussi que il n'est pas tout à fait mythique qu'on ait pu faire fortune dans la chiffonnerie au XIXe siècle. Il y a des fortunes qui ont été faites de chiffonniers devenus coureurs, et puis placiers quand ils ont leur quartier, et puis entreposeurs. Et il y a eu, en effet, donc des fortunes faites dans ce moment-là à travers cette hiérarchie de la chiffonnerie. J'ai donc concentré le cours sur cette période. J'ai découvert d'abord la liaison avec Paris, essentielle, puisque une thèse, je crois, très forte, c'est qu'il n'y a de chiffonnier au sens où la figure devient déterminante pour la période, il n'y a de chiffonnier qu'à Paris, puisque dans les autres pays, dans les autres métropoles, la récolte des chiffons pour produire les papiers se fait différemment. Et j'avais dans le cours donné l'exemple de Londres, où à Londres, les ordures étaient au fond déjà commercialisées et on allait acheter les chiffons dans les maisons directement, alors qu'à Paris, les chiffons sont déposés au coin des bornes devant les maisons et sont peut-être une sorte de survivance de l'ancien régime après la révolution industrielle, survivance de la charité de l'ancien régime dans ces ordures qui sont données. Il y a cette importance de la sociologie du chiffonnier qu'on a aussi abordée en constatant, notamment à travers beaucoup d'images, que les premières générations de chiffonniers dans ces débuts de
la révolution industrielle, étaient des anciens grognards, venaient de la grande armée. Et il y a beaucoup, beaucoup d'images qui nous montrent cette liaison des chiffonniers et des grognards, prolongée ensuite par les anciens de la conquête de l'Algérie et puis les anciens de la guerre de Crimée. Et tandis que la sociologie et les statistiques de la préfecture de police voudraient que les chiffonnières, puisqu'un tiers des chiffonniers sont des chiffonnières, selon la préfecture de police, voudraient que les chiffonnières soient pour beaucoup constituées d'anciennes prostituées, et qu'il y a donc une liaison très forte entre prostitution et chiffonnerie dans cette période, ce qui n'est d'ailleurs pas trop pour nous étonner. Ce sont deux circulations tout à fait parallèles, et alors là aussi, il y a beaucoup d'exemples. Quant au mythe qui fait du chiffonnier une sorte de poète de la voirie parisienne, je l'ai déjà un petit peu effleuré là, en évoquant cette affinité avec le grognard ou la prostituée. Et puis il y a tout ce mythe qui traverse cette période du chiffonnier philosophe, du chiffonnier poète, du chiffonnier Diogène, hein, le Diogène du ruisseau, le philosophe du ruisseau, le philosophe du macadam. Enfin, les expressions sont très très nombreuses pour associer le chiffonnier à ce mythe qui, évidemment, le chiffonnier flâneur, il est la version populaire de la flânerie. Il aurait choisi cette activité par vocation, parfois par nécessité, transformée en inclination et en goût. Alors évidemment, c'est un mythe qui est bien commode pour rendre plus acceptables les horreurs de cette activité. Et puis alors, bien sûr, il y a la dimension culturelle ou littéraire, hein, puisque ce poète de la voirie parisienne est omniprésent dans les représentations. Et on peut parler évidemment de Daumier ou de Gavarni ou de Traviès ou de Granville, mais bien davantage, on a vu qu'il était partout, une fois au fond qu'il avait tout à fait écarté ses compères de l'Ancien Régime, tous ces petits métiers parisiens qui, eux, ne survivent pas durant cette période, en tout cas sont marginalisés, ils ne sont pas du tout entourés de cette auréole pendant quelques générations. Et puis, bien sûr, il y a le chiffonnier littéraire, poète de la voirie parisienne, et on a vu à travers quelques-uns de ses cours comment cette représentation du poète ou de l'écrivain en chiffonnier avait pris forme et pris consistance, peut-être dès la fin de l'Ancien Régime, à travers les almanachs. Je crois que c'est les premières représentations du chiffonnier comme collecteur de poésie, comme premières images qu'on pouvait trouver sont liées à l'almanach et à la goguette. À la goguette, c'est manifestement dans ce milieu-là que la métaphore de l'écrivain chiffonnier a pris consistance avant de se généraliser à partir des années 1820. Et on en a vu de nombreux témoignages chez Étienne de Jouy, mais chez tous les écrivains de l'époque, associant chiffonnerie et journalisme, chiffonnerie et poésie, chiffonnerie et roman, et beaucoup d'écrivains caricaturés comme chiffonniers dans le siècle, avec quelques-uns d'entre eux qui reprennent à leur compte cette image, qui la valorise, en particulier Victor Hugo, qui est assurément le grand chiffonnier du XIXe siècle et qui exploite au plus profond cette métaphore, mais aussi Hugo, aussi beaucoup d'autres.
Alors, quand on dit poète de la voirie parisienne, eh bien, il y a Paris, hein, puisque le chiffonnier est parisien. Il y a voirie, avec tous les sens de ce mot voirie. Hein. La voirie, ce sont les rues, hein, c'est l'espace public, mais la voirie, c'est aussi l'administration des voies publiques. Hein. Et puis c'est aussi, encore, durant toute cette période, la grande voirie, c'est Montfaucon, dont il a été question aussi dans le cours, et qui est l'un des territoires du chiffonnier, avec la borne, avec la boue. Donc c'est tout cela, la voirie. Et poète, eh bien, nous allons l'entendre, je crois, dans le sens assez large, qui touche aussi bien... le chiffonnier comme poète, conformément à ce mythe, et la poésie et même le roman, puisqu'il sera question également de Gensu cette image de l'écrivain comme chiffonnier. Alors pour la journée, il y avait après le cours, au fur et à mesure des séances, un séminaire avec un certain nombre de communications lors du séminaire, et je suis heureux de voir que beaucoup de ceux qui sont intervenus dans le cadre du séminaire sont revenus aujourd'hui. C'était un petit peu mon projet de faire venir dans le séminaire qui suivait le cours plutôt des Parisiens, et de faire venir aujourd'hui pour le colloque un certain nombre de collègues qui ont eu à voyager, qui sont venus de plus loin, en pensant que, comme ça, nous serions plus nombreux et que les séminaristes reviendraient. Je suis heureux, donc, de les voir. Alors, le programme d'aujourd'hui, je présenterai très rapidement les intervenants comme ils vont prendre la parole. Vous avez 45 minutes chacun, que nous ne voudrions pas déborder pour conserver l'horaire. Donc, vous parlez, on vous a dit, je crois, une trentaine de minutes, qu'on ait le temps d'avoir une petite discussion. Si vous débordez, au bout de 45 minutes, on passera au suivant. Je dirais peut-être quelques mots au fur et à mesure que vous allez prendre la parole. La première intervention sera celle donc de Myriam Simon, que je ne vois plus, qui est là, oui, et qui a organisé déjà beaucoup de choses sur le chiffonnier, notamment une très belle exposition il y a quelques années au musée Carnavalet, qui s'appelait, j'ai pas pris mes notes, Le peuple de Paris, hein, très très beau catalogue de cette exposition, dans lequel il y a une section sur le chiffonnier et une excellente synthèse qui a été faite par Myriam Simon sur l'état de ce que l'on sait sur le chiffonnier. Et il y a évidemment au musée Carnavalet d'immenses ressources pour parler de cette poésie de la voirie parisienne. Et c'est donc elle qui prendra la parole pour commencer.